Alors, Épinal, sur les 78 communes, donc les incontournables, ça sera le centre-ville d'Épinal avec la tour chinoise, son château et puis tout l'ensemble de ses musées et de son patrimoine, de la randonnée à proximité avec nos forêts et puis des pistes cyclables et des grands circuits cyclos, sans oublier en fait sur l'ensemble de notre territoire le moulin Gentré à Charmes, Fontenoy-Château avec son magnifique petit port et son côté un peu médiéval. Voilà, toute une richesse de différents territoires qui vont de la forêt aux pistes cyclables avec du patrimoine riche chargé en histoire. La caractéristique d'Épinal, c'est surtout le fait qu'on est en plein cœur d'une belle ville où il y a un riche patrimoine à travers donc, différents sites touristiques à visiter, mais on est aussi au pied de la forêt avec des dénivelés très accessibles à la différence donc, de nos voisins et de nos confrères de la montagne. La forêt est proche avec de belles randonnées, avec quelques petits légers dénivelés, mais des sentiers pédestres balisés, donc un ensemble en fait, de circuits accessibles, une ville proche de la nature.